Grimpons. J'espère que je vais pas retomber sur le Big Boss. Parce que sinon, je vais mourir. Petite galet qu'on retrouve un peu partout à Yarnab. Les lancer sur les ennemis, peut-être, je sais pas quoi. Eh bien, on se retrouve pour une fois sur un jeu qui va être différent de ceux que je joue d'habitude. Qui plus est Bloodborne. J'avais commencé à y jouer sans penser faire une vidéo, et écoutez, ma foi, après, on va passer 5 heures pour passer la première dite map. Je me suis dit que ça allait être intéressant de pouvoir faire une vidéo dessus, qu'on allait pouvoir sans doute bien rigoler, vu la difficulté de cet enfoiré de jeu qui, si vous le connaissez, a dû vous faire rager, vous aussi. Quelques petits extraits de la précédente... passage que j'avais essayé de filmer et que j'ai arrêté parce que c'était beaucoup trop laborieux. À vrai dire, je ne maîtrise pas encore tout à fait ce jeu, puisque je ne suis pas tout à fait au point. Je me suis arrêté, en fait, donc là, j'ai pas record, mais j'ai battu un boss qui, ma foi, m'a fait bien pisser un peu partout. Et donc, voilà, donc là, on va continuer. Et on commence très très fort, puisque je suis littéralement bloqué devant cette porte, ce qui n'était pas vraiment prévu. Il va falloir donc que je fasse demi-tour. Comment vous dire que je suis pas spécialement content. En soi, ils sont pas méchants. Pas quand t'es... Pas quand t'as bon skill. Par contre, pour ceux qui sont là-bas, comment vous dire que je ne les aime pas spécialement. Trêve de bavardage, il faut qu'on dirige donc vers la suite des opérations. Yo. Et voilà. Et voilà. Et voilà. J'adore ce jeu. Le pire, c'est que si tu te prends un coup, n'espère pas t'en sortir vivant. Parce qu'il t'enchaîne. Et tant que t'es pas mort, généralement, il s'arrête pas. Donc, le plus rageant dans ce jeu, c'est pas... C'est pas tant de devoir aller... de mourir en soi. C'est de recommencer, en fait, trop de choses. Voilà. Donc, genre, ce genre de choses qui, moi, ont le... ont la manière de me gonfler. Donc là, mon but, c'est clairement d'arriver à une espèce de cathédrale qui, donc, j'avais essayé d'explorer et ça s'était relativement mal passé, genre un peu ce qui vient de se passer là. Donc, je sais pas si vous savez, donc après, les points de sauvegarde sont très rares. Enfin, les points de sauvegarde, les checkpoints, on va les appeler. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va aller changer le point de sauvegarde parce que celui que j'avais là-haut, c'est celui qui était après un boss. Au final, il est pas intéressant. Et bah du coup, pour revenir ici plus vite en cas de décès, plop, 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 on va remonter là. Petite info, sachez que quand vous mourrez, vous ne perdez pas de stats, de statistiques ou quoi que ce soit. Vous perdez juste tout votre argent. Et cet argent dans ce jeu, du coup, est quand même assez utile. Vous voyez, vous pouvez par exemple, via cette superbe femelle de type pas normal, augmenter vos statistiques. Via ces deux êtres tout à fait sympathiques, acheter des choses, comme cette tenue de début de jeu qui est tout à fait nulle, puisque cet homme ne voit strictement rien. Mais plus important, vous pouvez changer d'arme, vous pouvez améliorer vos armes, combiner à d'autres choses que vous pouvez trouver de manière tout à fait difficile. Et le pire, c'est que lorsque vous revenez ici, que vous repartez, tous ceux que vous avez tués sont de nouveau là. C'est complètement chiant. Quelque part, je me dis que je vais pas revenir jusque-là, j'avais juste... Ouais, non, j'avais juste en fait à... Je sais pas, j'ai juste à rentrer dans le rêve et repartir. Je vais me téléporter en fait. Bon, on va revoir nos amis tout à l'heure, mais donc on arrive de l'autre sens. On charge notre attaque, voilà. On les envoie valser. On le renvoie valser une autre fois. Il meurt, c'est fini. Non, c'est pas par là. Voilà, là je mets mon premier stop. Vous entendez ces bruits du style sympathique, hein? Waouh! Ces chiens sont de nature pas sympa. Ok, donc on arrive dans cette espèce de cathédrale qui n'est pas superbe. Ok, là il y a un mec qui arrive qui fait pas du tout peur. Il est un peu bizarre, mais faut pas lui en vouloir quoi. Je sais pas, il y a une espèce de corail sur lui, c'est marrant.
Oh, le underkill, quoi. Enfin, sauf que lui, moi, je suis pas mort. Donc, ici, j'y suis déjà passé. Donc, il y a quelques mecs un peu comme lui. Il y a un type qui tire au gun, qui est très chiant. Ils sont chiants, ces mecs. À tuer d'urgence. Donc là, il y a un mec au fond à gauche. Il y a un mec juste là. Un autre humain qui est, donc, quelque part là-bas au-dessus de ma tête, là. Voilà, quelque part là. Trêve de paradage. J'ai esquivé une balle! I'm Superman! La vraie difficulté, c'était pas de se la prendre. Du coup, je me suis pas prise, tout s'est bien passé. Ça a quand même sauvegardé les choses, mine de rien. Je vous avoue que je suis pas bien hein, dans cet endroit-là. Oh le bâtard! Oh il a esquivé! Enfin, il a esquivé, il a contré. Moi bah, je m'en fous, il est mort. Donc il y a des échafaudages au-dessus, je sais pas comment monter, et je pense que le jeu va me dire, va te faire reculer. Donc on va prendre cette porte, dans laquelle je n'ai jamais été plus loin. Parce que je suis une putain de salope et que j'ai tellement peur. Vous les entendez là? Voilà, lui s'il me touche pas, c'est que bien, c'est que mieux. Comment tu fais? Ah, bah t'es comme un con là. Hein? Chile! Voilà. Très bien, très bien. Je n'ai donc jamais été aussi loin. Je n'ai jamais autant stressé de ma life. Je sais pas où aller. Je sais pas par où passer. Je sais pas s'il faut que je descende là tout en bas. Mais je risque fortement de mourir. Voilà. Crève, bâtard. Orage. Là, il y a quoi, là? Si je peux passer par là, c'est qu'il y a une raison. Oh, il y a une échelle. Je sais pas, j'ai moyennement envie d'y aller. Oh. Imagine, tu y vas, tu meurs. T'es comme un gros con. Lui, il m'a vu. Mais il sait pas que... Ah! C'est la pire chose à faire, ça, faire des roulades, ici. Imagine, tu roules, tu tombes. Jarre d'huile, c'est tellement utile, vous n'avez même pas idée. La jarre d'huile, qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire qui, ma foi, est plutôt utile. Admettons, vous avez 150 mecs devant vous, voilà, bon. Vous lancez une jarre d'huile. Jarre d'huile, comme son nom l'indique, c'est de l'huile. Si vous êtes équipé d'un cocktail Molotov, que je n'ai pas, vous en lancez un dessus. Réaction en chaîne, que se passe-t-il? Vous les enflammez de manière drastique. Ah, c'est efficace, hein. C'est hyper efficace. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'il y a toujours du monde en bas ou pas? De toute façon, faut que je descende, j'ai pas le choix. Je pense qu'il y a personne. Après, je pense souvent à tort. Il est pas mort, lui! Voilà! Il y a un truc par là. Je sais pas si je fais bien d'y aller. Oh, y'a rien. Oh, les Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais allé? Ok. Je sais pas trop où ça mène ensuite. Je sais qu'en nous on arrive de tout là-haut. Je sais que là, du coup, on peut monter aussi tout là-haut. Donc, ça doit être le pont en question. Alors, on va utiliser juste comme ça un cocktail Molotov sans rien. Que je trouve, ma foi, efficace. Il manquerait plus qu'il me lance un truc de manière tout à fait violente. Il y en a qui bougent pas et du coup je suis pas encore pour d'y aller. Je suis pas prêt. Je suis foutrement pas prêt. Alors je me tire. Alors là où je suis, c'est un putain de labyrinthe. Déjà je suis pas mort, c'est déjà pas mal. Je sais pas du tout où je suis, à vrai dire. Comme je vous ai dit, ce jeu est un foutu labyrinthe. Alors pour s'y retrouver, c'est d'une complexité. Nous on est dépassé là-haut. Ou je sais pas où on est passé en fait. J'en ai aucune idée. Je sais qu'en fait, j'avais trouvé super fort. Enfin, j'avais eu très peur de lui la première fois. Et que j'avais pas dû, en fait. Voilà, on lui met un coup. Bon, lui, il a juste en guise de d'arme, quelque chose de bien costaud. Alors, au final, paf, il meurt. Voilà. On se heal. Pas d'autre échelle. L'horizon. En face non plus. Donc, ok. Donc, en fait, ici, y a rien de partout. De bien particulier, je me tâte vraiment à descendre et alors leur péter la gueule. Le souci, c'est que je sais pas du tout s'ils s'en foutent. Ça va y arriver plus tôt que prévu. Hein. Après, je sais pas, ça se trouve, ils font genre qu'ils sont lents, mais en fait, oh, il y en a un autre caché en dessous. En fait, ça se trouve, ils sont méga rapides, tout ça. Pour toutes ces bonnes raisons, j'ai juste pas envie d'y aller, quoi. Je tiens à vous le dire, hein, moi, je suis pas un tryharder de ouf. Hein. Ok, donc ça, c'est l'intérieur de la cathédrale. Ok, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix pour continuer. J'avais vu qu'il y avait des espèces de souris. Des rats, enfin ce que vous voulez dedans.
Mais du coup, ils ont l'air moins gentils, enfin plus gentils, mais moins fortes. Moi, je suggère qu'on va aller par là. Le truc, c'est que maintenant, vas-y, bah, descends l'échelle, hein, le truc qui t'attend en bas, là. À m'attendre, là. Parce que si jamais, des fois, ils avaient trop de vie, je serais dans le caca, quoi. Tu sais pas. Après, j'ai une grosse hache, quoi. Ben, pas mal aussi. Faut pas être trop rapide, elles ont pas de jambes. Bah. Alors, analysons la situation. Elles n'ont pas de jambes. Elles ont pas de jambes. Bah, c'est tout. Niveau visuel de dangerosité, on est à 22 sur 10. Je vais pas prendre de risque. Genre, pas du tout comme ça. Oh, bah, elles sont pas méchantes en fait. Oh, elles ont l'air toutes lentes. Oh, bah, hé. Hey. Ah, co 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 co. En fait, ça crache de l'acide. Sur... Juste à esquiver au corps à corps. En soi, sinon, pas de quoi s'inquiéter. On aurait pu y aller au culot. Prendre une fiole de sang tout de suite. En fait, on aurait. En fait, j'aurais pu y aller. YOLO. Par contre, il y en a juste un peu beaucoup après par là, quoi. Surtout que les corbeaux, ils me font tellement peur. Et c'est. Il y a juste ces putains de corbeaux là qui me. Petite popo de soin pour se mettre bien. Est-ce qu'on n'aurait pas une échelle ici? Bien sûr que non, ça serait trop facile. Donc quoi, je suis obligé d'aller par là, sinon je dois aller me taper toutes les rats et souris là? Bah non. Attends, il y a un gros machin au milieu là. Faut oublier ceux qui sont dessus. Ah, ils sont trois. Nope. Ce jeu me régale. Le nombre de fois que vous mettez des vents au mec, c'est juste atroce. Après, question Zef, je fais pas mal non plus. Hein. J'espère qu'on va trouver dans pas longtemps quelque chose qui puisse nous donner plus de force, plus de tout en fait, parce que. Là, vous voyez. C'est un ours. C'est un putain d'ours. Ou je sais pas ce que c'est, ou c'est un chat. Mais un gros chat. Bah, je vais pas y aller. C'est hors de question. Bah, c'est con pour aller mourir tout de suite, moi, alors que je suis. J'ai jamais fait autant de progression de ma vie, quoi. Juste que je sache où je suis, et puis après, c'est cool, quoi. Parce qu'honnêtement, dès que je saurai où je suis, les choses changeront. Ceci, c'est que je ne sais pas. Je pense que là-bas. Ah! C'est là où j'étais tout à l'heure. Ok, là, bah, j'ai affronté le boss tout là-bas. Là-bas, il y a 1 690 000 mecs. Très bien, ça veut juste dire, bah, tu passeras pas. Et je comptais pas passer. Là, il y a une petite porte. Ah, autre chose aussi, dans ce jeu, quand vous passez une porte, vous l'ouvrez, bah du coup, en fait, ça fait que... Oh, c'est génial, ça! Je crois que je viens de me débloquer. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, souvent, vous allez tomber sur une porte qui va être bloquée. Vous allez avancer, machin, et au fil du jeu, vous allez tomber derrière cette porte. Vous allez pouvoir l'ouvrir, sauf que derrière cette porte, il y avait quoi, admettons? Un point de sauvegarde! Et ce point de sauvegarde, du coup, bah, vous empêchait d'avancer. Sauf que maintenant, vous voyez? Maintenant que c'est débloqué, là c'est le début. Là il y avait mes deux gros colosses. Ce qui fait que si je meurs maintenant que je spawn là-bas, je descends là. Je descends là, et voilà. C'est tout. Le souci c'est que j'avais quand même très très peur de me taper tout ce beau monde. Donc là j'ai qu'à remonter, je me TP, et voilà quoi. Bon bah écoutez, c'est vrai que c'est pas une vidéo fun, c'est pas une vidéo qui est forte en rire, on va pas rigoler, on va être un peu stressé surtout, on va bien se pisser dessus. Après je tiens à dire que là du coup je sais pas combien de temps ça fait que je tourne, ça doit faire une bonne 20-30 minutes. Je suis pas mort. Pas mal. C'est pas mal parce qu'écoutez, je sais pas où sont les stats, mais à mon actif j'ai quelques morts qui sont ma foi pas trop dégueulasses. On peut revenir du coup ici, vous voyez, au final c'est pas très loin. C'est pas très loin là, en fait c'est vraiment. On arrive au début du jeu. On arrive au début du jeu, donc faut pas tomber. Donc vous arrivez de là-bas. Là. Là vous voyez, la pointe de ma hache pointe ce que je veux vous montrer. Voilà. Vous arrivez de là-bas. Vous rentrez ici, hop, vous essayez d'aller par là, c'est fermé. Donc vous allez ici. Donc il y a trois mecs à tuer, vous montez là, vous partez à droite, là juste derrière la tête de mon bonhomme. Et c'est un bordel pas possible, c'est long jusqu'à ce que vous reveniez là. Et sauf que, ben, à gauche c'était fermé, donc à force de vous être baladé, on arrive de l'autre côté. Donc en fait, du pont, vous faites le tour, on arrive ici, et là vous voyez ce point de sauvegarde. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde dans le jeu, au total, il doit y avoir une dizaine. Enfin, de checkpoint. Enfin bref, du coup, si vous voulez que je continue les épisodes, mettez-moi en commentaire. Donc après, là, c'est vrai que je connaissais plutôt bien, j'avais pas trop de surprises, j'avais pas trop de frayeurs, mais c'est vrai que en bas, vous avez vu, il y a ces espèces de donc soit un chat, soit un cochon, je sais pas ce que c'est. De l'autre côté, il y a toute cette ribambelle de souris que j'ai moyennement envie de me taper, donc je pense que j'aurais pas le choix. Déjà, de toute façon, j'aurais pas le choix que d'y aller. Hein,
Je ferai aussi peut-être une vidéo, donc comme j'ai l'habitude de faire, comment bien débuter, parce que c'est vrai que j'ai vite trouvé des astuces assez sympathiques pour ce jeu, qui pourront vous permettre au début de jouer assez safe en fait, qui vont vous... Enfin, vous n'allez pas devoir tryhard au début, mais qui à la fin font que vous reviendrez avec du bon équipement, des bons stats, tout ça. Mais si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un bon petit pouce bleu, donc bon, bah écoute, hein, je sais qu'elle est pas fun, mais je compte pas faire non plus un let's play dessus. Ça dépendra de ce que je vois en commentaire. Voilà, tout ça, tu connais la suite, vous savez tous depuis le temps. Je dis ciao tout le monde. Kiss. Et on se moque pas de ma coiffure dégueulasse.